Bonjour à vous tous, bienvenue à notre capsule du lundi pour la boutique Maddy. Alors, avec des nouveaux arrivages pour l'automne, et on a vraiment de quoi de beau, on a reçu directement de l'Espagne la collection Bariloche Tinta. Alors, nos petites madames qui sont frileuses, alors nous avons justement des vêtements avec de la laine, de l'alpaga, et on a reçu également de Manstead le yak. Alors, les petites madames qui ont frette là! On a ce qu'il faut, attendez pas trop longtemps. Alors voilà ici un beau chandail rose, un beau rose bébé. Alors avec un col baveux, très joli, que vous pouvez harmoniser avec notre beau pantalon Icona que je vous ai déjà présenté en cuirette. Alors très joli, que vous pouvez également agencer avec notre beau chandail en yak. Regardez ça, toi, comme ça fait joli. Bien, Nicole. Oh, je recule, j'ai pas de droit de reculer. Alors, Manstead. Ensuite, vous avez de la collection Tinta. Alors, le beau bleu royal. Alors, c'est un beau tricot. Et encore une autre fois, c'est de l'acrylique cette fois-ci. Et vous avez également la belle petite veste dans le même teinte. On continue encore une autre fois. Nicole, elle voulait jouer le beau. Regardez comme c'est beau! C'est beau comme ça. Ça, c'est notre beau pantalon réversible. Alors, Frank Lehman, que vous pouvez agencer avec le beau chandail rose. Puis moi, ben, je le voyais avec celui-là. Les deux sont... Alors, regardez, puis ça, là, celui-là, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est la manche. Gardez bien la manche, comme c'est vraiment génial comme idée. C'est comme un peu une cape. Puis t'as les petits, les bras, les avant-bras qui vont sortir par là. C'est très, très joli. Ça fait vraiment, là... spécial. C'est spécial. Mais tu sais, dans la guerre de sécession, là, il y avait des genres de manteaux comme ça. Oh. OK, c'est beau, je suis partie. Bon, j'écoute beaucoup les affaires qui ont forgé l'Amérique, ouais. Là, puis Lincoln, c'est ça. Alors, voilà. Encore une autre fois, ici, on a des belles vestes, encore comme je viens de dire, en tricot, avec de la laine de l'alpaga. Alors, voyez-vous. L'alpaga, Marlène, je veux que tu leur dises que c'est une matière qui est super douce. Ça ne pique pas. Non. C'est ça, c'est important à dire. C'est doux, 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 puis ça ne pique pas. Parce que c'est le duvet du bébé du lama. Alors, c'est ce qu'on appelle l'alpaga. Et voilà. Regardez comme ça fait joli. Et on l'a reçu dans le violet. L'aubergine, si vous préférez, et également dans le beau rouge clair. Et encore une autre fois, j'ai ici des magnifiques débardeurs. Alors, l'année passée, on en a manqué. Alors, cette année, on a du beau choix. Alors, regardez, gris-perle. Et ça, regardez comme ça fait joli ce que Nicole a monté. Vous a monté une belle chemise blanche avec un débardeur. Et ça peut toujours aussi bien se faire... avec nos petits chandails, ceux-là ici. Alors, nos fameux petits chandails, puis ça, on l'a dans différentes couleurs. Alors, chez Joseph Ripkoff, qui sont minces. Alors, vous allez pouvoir mettre justement un débardeur, une veste, un veston par-dessus. On l'a dans le blanc, on a ça dans le crème, on l'a dans le chocolat, on l'a dans le caramel. En tout cas, bref, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs disponibles dans ces beaux petits chandails. Alors, une autre fois, ici, c'est le prune et celui-là, il est l'épaule les plus descendantes au niveau du débardeur. Et on a également dans ce Scoview, dans le noir, encore un autre petit modèle de débardeur qui est très joli. On continue. Oh, ça, c'est super joli. Regardez, c'est un autre chandail dans la collection Manstead qui est en yak. Et regardez le petit fond bleu, comment c'est beau. Alors, c'est pour ça que nous autres, on a décidé de l'agencer avec le beau pantalon Lagoon. Mais il ne sort pas de la bonne couleur sur la caméra. Ah oh, non! C'est la même couleur que le chandail, parce que là, il sort bleu royal. Ah! Bizarre. Je ne sais pas pourquoi, là, mais il sort la couleur de ta chemise. Ah, bien! Regardons ça, Nicole, tu l'avais faite. Oui, je l'avais faite. Je n'avais pas vu que tu l'avais faite. Alors, ça vous donne justement l'idée que je vous annonçais. Le débardeur. Et ça, c'est un beau débardeur dans la collection. Il fait bien tribale, avec le pantalon. Puis regardez avec le beau pantalon, comme que... J'en avais parlé de ce pantalon-là, hein, comment oui. J'aimais ça, ce pantalon-là. C'est léger, mesdames, c'est incroyable. Puis la patte, hein, vous savez, la jambe est beaucoup plus large. Et ça, on a reçu dans Joseph Ripkoff
ce beau chandail ici, Ripkoff, qui est brun chocolat. Et on l'a aussi dans le noir, mm-hmm. aussi, ce chandail-là. Et ça s'harmonise énormément bien avec notre beau pantalon. Wanacombe! Alors, on a reçu celui-là. Il est avec une belle capuche et il est avec fermeture à visière. Alors, dans la couleur marine et blanc. Alors, qui va très, très bien avec un jean, des belles poches. Alors, ça, c'est vraiment très, très intéressant comme produit. Ici, c'est dans la collection Ariane. Une jolie petite jupe. Elle est très légère avec du métallique ou du lurex, si vous préférez, dedans. C'est très stretch. Vous allez vraiment adorer cette petite jupe-là qui est vraiment... Avec un collant, là, Marlène, c'est super beau. Puis le petit bottillon, là. Oui, excellent, Nicole. Et voilà, magnifique tunique également, puis elle est super légère dans la collection Ariane avec un fini léopard. C'est très, très, très doux. Vous avez deux matières dedans. Alors, vous avez la matière léopard et vous avez l'autre matière... C'est très doux, mesdames. Vraiment super beau. Alors, dans la collection Ariane. Bon, je crois que j'ai tout fait. Oui. J'ai tout fait. Ben voilà. Alors, c'était notre petite capsule pour lundi, le 15 août. Alors, on vous attend, toute l'équipe Maddy. On est là pour vous recevoir. Puis comme je dis toujours, pour être la plus belle. Au revoir.